Salut, à merci. Bonjour, bonjour. S'il y a des gens qui suivent, juste à faire un petit coucou pour dire que vous êtes là. Un petit bonjour, un petit coucou. Je veux savoir qui est là. C'est vrai que ça bouge un peu, mais bon. Bonjour, 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 bonjour. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est flou? Est-ce que c'est... J'ai l'impression que c'est un peu sombre. Mais bon. Salut Evelyne, merci d'être là. Coucou Evelyne. Contente de te voir en ligne. On va attendre un peu qu'il y ait un peu de monde, puis on va commencer. Ça va pas être quelque chose de lent. Est-ce que vous m'entendez? C'est quelque chose. Salut Elmara. Merci d'être là. J'espère que ça va. J'espère que vous passez du bon temps ce dimanche. Juste à me faire signe si vous m'entendez bien parce que j'ai aucun son. Fait que je ne suis pas sûre que vous m'entendez, mais je veux juste être sûre que vous m'entendez. Juste à faire un petit pouce là pour dire oui, c'est correct. C'est bon que vous m'entendez. Et que l'image est claire et tout là, parce que moi j'ai de mon côté j'ai l'impression que ça va, mais je sais pas trop.
Est-ce que tu m'entends? Ok, parfait. Fait que là, j'ai déjà un petit pouce qui me dit qu'on reçoit, c'est correct, c'est bon. Merci, merci. Merci, Evelyne. T'es gentil, c'est gentil, Evelyne. J'espère que tu vas bien. Je sais que tu vas bien par la grâce de Dieu. On va attendre que les autres arrivent, puis on va commencer lentement. Ça va pas être long, on va pas durer, c'est juste quelque chose de au moins peut-être 30 minutes. Salut Betsy, Emeline. Amen, la paix du Seigneur. Amen. Merci d'être là. Je vais juste partager. Parfait. Donc, on va encore attendre quelques minutes. Je pense d'ici 5, d'ici 2 ou 3 minutes, on va commencer. C'est mon tout premier direct, alors je ne suis pas sûre que je vais en faire tout le temps, mais bon, j'avais juste à cœur qu'on parle ensemble. J'avais juste à cœur de vous présenter un chant sur la reconnaissance à Dieu. Il me l'a donné, donc je ne voulais pas le garder pour moi. Alors, je voulais vous partager le chant. Et je suis sûre que ça va faire du bien à beaucoup, beaucoup d'entre nous. C'est vraiment d'être reconnaissant envers le Seigneur. Donc, on attend juste qu'il y ait d'autres personnes qui viennent et puis on va débuter. Hey, je vois des cœurs, c'est gentil, c'est gentil. Parfait, je vois qu'on est en train de monter. On va juste attendre encore un peu. Salut Jean-Marie. Merci d'être là. J'espère que tu vas bien. Je suis contente de te voir en ligne. Ça monte, ça monte, ça monte. Dites-moi si vous m'entendez bien. Juste à me faire un petit signe que vous m'entendez très bien. Comme ça, ben, je vais être assurée que tout va bien. Vous savez, c'est mon premier direct. J'ai jamais fait de direct. Fait que c'est un début. Donc, juste à me faire un petit coucou pour dire que oui, vous m'entendez bien. Juste à me dire que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, que tout est OK. Salut Ségondine, merci d'être là. Oui, hein, merci, merci Jean-Marie, c'est gentil. Bon, au moins toi, c'est bon. Merci, merci de savoir que c'est bon. On va juste attendre quelques minutes, puis on va commencer. Ça va pas être long, comme je l'ai dit, ça va pas être long, quelque chose de 20 ou 30 minutes, là. Ça va vraiment pas être long.
C'est super. Merci Betsy, Emeline. Yes, on est ensemble, Ségondine. Parfait, fait que ça monte, ça monte. Bonjour Edouard. Merci d'être là. Parfait, Betty. Oui, on entend très bien. Merci beaucoup. Merci de me rassurer que vous entendez bien. Merci, monsieur Seymour, d'être là. C'est gentil. Alors, j'avais juste à cœur de vous présenter un chant. Qui parle de reconnaissance, ça dit, il me l'a donné. Donc, on va juste attendre quelques minutes et puis je vais vous le balancer. Ça va pas être long. Merci. Parfait, fait qu'on commence dans 2 minutes. Dans 2 minutes, on commence. Merci pour votre patience. Salut Thomas. Salut Karine, reine de la paix. Waouh, un beau nom. Reine de la paix. Sois bénie. Non, en bas, voilà. Attends. Salut Dominique. Salut Mathias Coiffeur. Bienvenue. Et salut Magali, c'est gentil d'être là. Maman Dodo. Salut Chancy. Hey, salut Cricri, merci d'être là Cricri, c'est gentil. Me semble que j'ai une coéquipière qui est venue me rejoindre. Je m'appelle Kimia. Elle s'appelle Kimia. Coucou Cricri, je suis Coucou contente de te Cricri. voir. Salut Samantha. Salut! Waouh! Quelle surprise! Quelle surprise, Samantha! Merci Magali. Merci, Magaline. Salut, Brian! Merci Magali pour le soutien. Merci beaucoup. Merci de soutenir la famille. C'est gentil.
on te voit, regarde ici, on te voit. Là, tu vas à la maison. Oui, si Brian me voit dans le téléphone. Tu fais coucou, Kimia, on te fait coucou, Kimia. Coucou. Maman, est-ce que c'est eux que tu parles? Oui, c'est à eux que je parle. Merci à la Alpha Emmanuel Batina. Merci coucou. À Alpha. Merci d'être là. Merci d'être là. C'est toi la coéquipière. Mm-hmm. Merci papa, s'il te plaît. Pourquoi? S'il te plaît. Ok. Merci. Merci. Oui, hein, Cricri, c'est tout un stress, hein. Tu peux pas savoir. C'est toi qui es habitué à faire des directs. Là, moi, c'est mon premier direct et je t'avoue que c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Merci. Coucou Alpha. Bon, il me semble que ma coéquipière m'a lâché. Mais vous êtes là. Ah, tu attends l'album sur YouTube. Mais le 11, là, le samedi prochain, là, l'album est disponible. L'album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et qu'on aura vraiment le temps de voir cet album-là sur le marché, par la grâce de Dieu. Cricri, tu ris quoi? Juste une petite minute, puis on commence. Une petite minute, puis on commence. Coucou, Gracia, ma chérie. Bonjour, Joé. Bonsoir. Oui, je vais très bien. Oui, l'album va être là le 11, samedi prochain. L'album est sur toutes les plateformes. Parfait, 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 parfait. On va accorder quelques petites secondes pour les personnes qui vont se joindre à nous. On va être un peu indulgent. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez apprécié votre week-end, que ça s'est très bien passé. Moi, pour ma part, ce matin, on a vraiment été bénis ce matin. On a eu un très bon message, un très bon culte ce matin. C'était vraiment juste wow d'être dans la présence de Dieu et ça nous a fait du bien. Le message de ce matin, ça nous a vraiment boosté. Et comment ça a été chez vous ce matin à l'église? Pour ceux qui sont partis. Bon. Je pense qu'on va commencer. Alors, j'avais juste à cœur de vous partager le chant « Il me l'a donné ». C'est vraiment un chant qui parle de la reconnaissance à Dieu. Et je vais vous laisser découvrir le chant. Je ne sais pas si vous avez vraiment suivi la vidéo que j'ai faite de la présentation de l'album. Alors, je parlais de ce chant-là « Il me l'a donné ». Et j'avais vraiment à cœur de vous le partager aujourd'hui, de voir comme une fois notre Dieu peut être bon à notre égard. Comme une fois, il est vraiment extravagant dans sa bonté envers nous. Donc, c'était juste pour vous présenter ce chant qui dit « Il me l'a donné ». Qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a tout donné. Il m'a donné
Il m'a donné la santé que beaucoup n'ont pas. Il m'a donné la vie que beaucoup ont le désir d'avoir, mais qui n'ont pas pu. Donc, c'est vraiment ce chant qui m'est monté. Depuis hier, je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage. Et je vais vous le partager. Et puis, suite à l'écoute de la vidéo, de la présentation de l'album, nombreux m'ont écrit qu'ils ont été touchés par il me l'a donné. Donc, je vais vous le partager. Alors, c'est parti. C'est un chant de réjouissance, de reconnaissance à Dieu. Puis vous allez me dire si vous écoutez bien. Faites-moi un signe si vous entendez la chanson, juste à me faire un pouce en avant, juste à me faire un petit pouce ou à mettre un cœur pour me dire que vous entendez bien le chant, s'il vous plaît. Yes, merci. Danser pour le Seigneur, j'aime ça danser pour le Seigneur. Oh, élevons le roi, magnifions-le, louons-le. Il nous a aimés, rachetés, pardonnés, libérés par son grand amour qui est
comme lui, qui est comme lui. Si compatissant, plein d'amour, qui est comme lui, qui nous a aimé. Oh, 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 mon atelou. Alléluia. J'espère que vous avez aimé le chant. J'espère que vous avez apprécié le sang. J'avais vraiment à cœur de vous partager cela. C'est vraiment quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur d'être vraiment reconnaissant, d'avoir un temps où on s'arrête pour dire merci Seigneur pour ce que tu fais dans ma vie, merci Seigneur pour ce que tu m'offres, merci Seigneur pour la vie, merci Seigneur pour la santé, merci Seigneur pour la nourriture, merci Seigneur pour tout ce que le Seigneur fait pour nous. Alors je vous invite vraiment, je nous encourage à prendre ce temps-là et dire au Seigneur merci pour tout ce que tu fais pour moi, merci pour ta vie, merci pour ce que tu me donnes. J'ai l'impression que nous, les humains, on a pu se porter à rechercher ce que nous n'avons pas, à toujours rechercher plus, à toujours rechercher plus, mais on ne prend pas le temps de s'arrêter et dire au Seigneur, merci pour ce que j'ai déjà, merci pour ce que tu m'as donné, merci pour ce que j'ai actuellement entre mes mains. C'est vraiment une grâce que le Seigneur nous fait. Donc, c'est vraiment un encouragement à adopter une vie de reconnaissance à Dieu et d'avoir vraiment cette culture-là de dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour la paix que tu m'offres. Merci Seigneur pour la joie que tu mets dans mon cœur. Merci Seigneur pour tout ce que... En fait, on a tellement de sujets, on a tellement de sujets pour rendre gloire à Dieu. Vous savez, quand on n'a pas une reconnaissance envers Dieu, on est porté à vivre une vie basée sur des frustrations. Parce qu'on va toujours rechercher ce qu'on n'a pas. Et le fait de ne pas reconnaître ce qu'on a, d'apprécier ce que l'on a, ça nous pousse tout simplement à être dans... C'est une ingratitude, en fait. Et ça, c'est autant pour Dieu. Nous devons être autant reconnaissants envers Dieu et reconnaissants envers les personnes qui nous font du bien. Des personnes qui nous ont aidés, des personnes qui ont été là dans les moments difficiles, dans les moments de joie. Mais d'avoir cette culture-là, de s'arrêter et de dire merci au Seigneur. Nous ne ressemblons vraiment pas aux personnes... Vous savez, dans la Bible, je pense que c'était dans, je ne sais plus c'est quel passage, mais Jésus avait guéri 10 lépreux. Parmi les 10 lépreux, il n'y a qu'un seul, retourné voir Jésus après être guéri pour dire à Jésus, merci, merci de m'avoir guéri. Et Jésus demanda au monsieur, mais où sont les 9 derniers? Où sont les 9 derniers? Et par la suite, il a dit au monsieur, va, ta foi t'a guéri. Donc, juste pour dire que une vie de reconnaissance attire encore plus la faveur de Dieu. Lorsqu'on est reconnaissant, lorsqu'on a une mémoire et qu'on se rappelle de tout ce que le Seigneur a fait pour nous dans le passé, ça nous aide à surmonter les épreuves à venir. Ça nous aide à surmonter tout ce qui n'est pas... ça nous aide à surmonter toutes les difficultés qu'on peut avoir dans la vie. Donc, c'est vraiment un encouragement à célébrer le Seigneur, à lui rendre toute la gloire dans tout ce qu'il fait pour nous. Peu importe les circonstances, peu importe, parce que ce n'est vraiment pas les circonstances qui déterminent la grandeur de notre Dieu. Notre Dieu est bon, notre Dieu est extraordinaire, notre Dieu nous aime d'un amour éternel. Et lorsqu'il nous voit, son cœur bat tellement d'amour pour nous. Et donc, vraiment, c'est un encouragement à vivre une vie de reconnaissance, à être reconnaissant et à apprécier les petites choses que nous avons de la vie, les petites choses que le Seigneur nous met à notre disposition, qui n'est pas... C'est pas vraiment un acquis, c'est une grâce. C'est une grâce vraiment de... C'est une grâce d'avoir toutes ces choses-là. C'est une grâce. Aujourd'hui, je peux me dire, je n'ai pas des millions dans mon compte, non. Je ne mange pas peut-être du caviar et tout. Non, c'est peut-être trop de luxe pour moi. Mais le fait que le Seigneur m'a donné la santé, ce qui ne s'achète pas en pharmacie, le fait que le Seigneur m'a donné la vie, ce que beaucoup ont tellement envie d'avoir. Quand on voit dans les hôpitaux, je me dis, waouh, Seigneur, tu es tellement bon à mon égard. Pourquoi devrais-je me plaindre pour des choses matérielles? Pourquoi devrais-je me plaindre? Si tu es là pour moi, si tu me donnes la vie, si tu me donnes la vie que beaucoup ont besoin, tu me donnes cette vie-là. C'est vraiment une grâce.
C'est une grâce. Ne soyons pas tout le temps chialeux. Ne soyons pas des personnes ingrates. Ne soyons pas vraiment des personnes qui passent leur temps à être insatisfaites. C'est vraiment un inconfort. On a même vu dans la Bible lorsque le Seigneur a nourri des enfants d'Israël de la manne. Mais ces mêmes enfants d'Israël-là, ils n'ont pas été reconnaissants. Hein? Ils n'ont pas été reconnaissants. Ils ont encore voulu retourner en Égypte, là où est-ce qu'ils étaient battus, lorsqu'ils étaient maltraités, ils étaient traités en esclaves, alors que le Seigneur les emmenait dans un endroit de rêve à Canaan. Mais ils n'ont pas voulu voir ça. Donc, pour montrer à quel point l'homme peut être ingrat, mais vraiment, je nous encourage à avoir une vie de reconnaissance à Dieu, d'avoir une vie qui célèbre les petites choses que le Seigneur nous donne, une vie de célébration des petites victoires que le Seigneur nous donne. C'est vraiment pas un acquis. Lorsque le Seigneur nous donne vraiment, oui, pasteur Guy, oui, pasteur Amy, vraiment, on doit cultiver, on doit avoir cette culture-là en nous, de célébrer le Seigneur pour tout ce qu'il fait, tout ce qui nous arrive. La Bible dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien. Il n'y a pas une distinction. Donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vraiment que nous puissions avoir cette vie de reconnaissance. Et même lorsqu'on est dans la disette, même lorsqu'on traverse des moments difficiles, mais qu'on ait cette assurance-là, que le Seigneur est sur son trône et il sait ce qu'il fait, mais reconnaissant d'abord ce qu'il nous a donné, avant de réclamer plus, avant de chercher plus, avant de chercher peut-être les belles voitures, de chercher les grosses voitures, de chercher des grands postes et tout, qui sont juste des joies éphémères, mais vraiment de célébrer le Seigneur pour ce qu'il nous donne, de célébrer le Seigneur de ce qu'il fait dans notre vie, de célébrer le Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies qui sont, c'est vraiment une grâce. Je me dis, waouh, notre Dieu est tellement bon, il est tellement bon, lui qui a pris notre place, lui qui a enlevé notre honte, lui qui a pris nos péchés sur la croix, lui qui n'a pas eu honte de nous. Il n'a pas eu honte de nous. De là où, nous étions, il n'a pas eu honte de nous. Il est venu jusqu'à notre état pour venir nous relever, pour nous aimer tels que nous sommes. Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas le célébrer? En tout cas, moi, c'est vraiment cette culture-là et je nous encourage. Je nous encourage à avoir cette attitude de bénir le Seigneur, de célébrer le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre vie. J'ai une famille, je bénis son nom pour la famille qu'il m'a donnée, pour l'époux qu'il m'a donné, pour les merveilleux époux qu'il m'a donné, pour des enfants qu'il m'a donné. Et je célèbre son nom pour ça. Et je me dis, le reste, est-ce qu'on peut demander? Oui, le bon travail, les voitures. Oui, c'est peut-être bien pour notre chair, mais ce n'est pas ça la finalité. C'est vraiment de reconnaître ce que Dieu fait dans notre vie et vraiment d'avoir une vie de reconnaissance. Sinon, on va être porté à être frustré tout le temps, à être grincheux tout le temps, à ne pas apprécier la vie que nous avons à sa juste valeur. Vraiment, c'était vraiment un encouragement à adopter cette reconnaissance-là.